Good morning, good day, good afternoon, good evening. This is your friend, Pastor Malachi, all right? But now, this is the teacher, okay? This is the teacher, English teacher. Most of the time, I live praying for you and preaching the gospel, okay? Now, I'm going to teach you, okay? Asking questions. Poser question. Pour qui ça veut dire asking questions? Tandis que verb to ask signifie demander. Alright? Demander. Le verb to ask signifie demander. Ça veut dire in English, okay? En anglais, c'est you do demander une ou des questions. Mander question. But en français, on dit poser. N'est-ce pas? Poser comme ça. Alright? Ou faire une question. Alright? Asking questions. Poser question. Demander une question. But to ask questions, you need those guys. You need those guys. Vous avez besoin de monsieur Sayo pour capable poser question. Alright? Assurément, vous savez quoi c'est pronom relatif. Ok? Yeah, pronom relatif. Vous avez what, where, when, who, how, why, which, is, are, do. Pour qui ça mettez dernier ça? Puis devant, vous allez dire pour qui ça. Ok, thank you very much. I already have someone live with me, so identify yourself, okay? Identify te tout as long as you watching my live video and don't forget to share the video, okay? Pas oublier pour share video, alright? Pas oublier pour share video. So this is your friend, this is your teacher, okay? Pour poser question, peut-être that's the asking. Il dit poser une question, poser. Ouais, poser des questions. OK? Comment ou capable poser question? Comment ou capable poser question? So, to ask questions in English, you need these pronouns as you can see. Ma faut répéter avec moi avant. Ok, souvle, gen moun ki kon vle pou mete yo an kreyol. Gen moun ki kon vle pou mete yo an kreyol, yo di, jis mda fè yo an kreyol. Ok, takou sa, yo gen what, yi ve di, ki sa, ok, si mda pou mda di, ki sa. Moun ki reme franse yo, te ka di, kwa? Ou bien que mettez créole là en valeur qui ça quoi bien que OK ou bien quelle OK quel masculin ou bien féminin elle aime gagner where entendez son you hear the sound where c'est qui bon ou bien qui côté OK en français on va dire où OK là avec moi where c'est qui bord qui côté en français c'est où on va dire when c'est qui l'est when après on va essayer aborder une phrase juste pour nous capable comprendre but if you have a question you can ask your question, all right? Si vous avez une question, vous capable poser question. If you have, thank you very much, Jackins, I declare, because you share the video. Thank you very much. So, if you have a question, you can ask your question. Now, si vous avez une question, vous capable poser question. Nadi, when, c'est qui l'est, ok? En français, vous t'as dit quand, ok? T'as dit quand? Et who c'est qui est-ce?
Ok? Qui est-ce? Qui est-ce? Enfin, si on t'a dit qui? Ok? Qui? Et how? En créole, c'est comment? 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 En français, c'est comment? Ok? Comment est-il comme ça? Ok? Why? Why? Créole là, c'est pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Why? Pourquoi? En français, on t'a dit pourquoi? Pourquoi? Et puis, which? Which? C'est toujours qui est-ce? Mais, qui est-ce là? Qui est-ce là? Les cas dans le cadre, ou bien ajouter qui est-ce là dans l'eau? Qui est-ce là dans l'eau? Ok? Vous avez une explication sur which là en créole. Ok? Mais en français, c'est lequel ou bien laquelle. Ok? Lequel ou bien laquelle. Ok? Ok. Is, are, ou qu'on est is, c'est vrai, être, c'est, ok? Do you, c'est son verbe auxiliaire qui est plus devant, n'a pas expliqué ça, yo. So, guys, if you are watching live, m'a salué Zimini. Okay, good blessing to Wilner. God bless you. Okay, tonight we are here just to present you this course. It's a very important course, asking questions. Alright? So, ou ka gade sou tablo la, wap wè ou genyen plusieurs éléments ki ou kapab utilize pou pose question et ou ka tande tout yo pose question avec you. First of all, m'ap répété yo pou ou, yon apre l'autre. Okay, ou kapab suivre avec moi. Première c'est what. Tendez bien, what, what. Deuxième nan, c'est where, ok? What, where, when, who, how, why, right, which, ok? Is, are, do you. Ok, so lem genye what, ok? Genye what, ou kapab utilize pou pose question. Par exemple, et il est capable de dire what's your name, what's your name, what's your name. Ok, utilisez what pour ces questions. What's your name, what's your name. Alright, ouais, utilisez what's your name, what's your name. Ok, well, what là très important, what's your name or what's your okay, what's your phone number? What's your phone number? What's your phone? D'habitude, il capte toujours what is, okay? What is? Donc presque pas attendez, blanc dit what is. Sometimes il ca dit what is, but most of the time it's what's your name? What's your name? What's your phone number? What's your phone number? Ok? Vous pouvez utiliser what là pour poser question. Ok? But you know already the what's your name? Comment relay? Alright? What's your name? Comment relay? Donc, vous pouvez. Ok, good evening. Good evening, Wilner Limage. God bless you. Good evening. Ok? Ou use what juste pour pouvoir poser question. What's your name? What's your address? What's your telephone number? Alright? What's your address? Ok? You know address? Ça veut dire autorité. What's your address? D'accord, pour moun ki gen social, social yo, ça veut dire what's your social security number? What's your social security number? Est-ce que c'est? Social security number. What's your social security number? What's your social security number? Once you are here in the United States, so you will have a social security number. Okay, c'est ça que les cas social là. On pourra le gagner. Okay, quel que soit côté arrivé, donc on pourra le demander un petit travail. Il y a toujours mando. What's your name? Alright. What's your name? What's your phone number? Alright,
what's your address, what's your social security number, okay? These are very important to know. Quand y a les autres noms, il faut qu'on comment pour dire comment really. All right, my name. Or just you give your name. I remember last time I had a course over some basics questions. So si you do what's your name, ou connaît comment really, donc comme dit my names or my name is, ou bien ou by non directement. Okay, what's your name? What's your phone number? You do qui numéro téléphone. So you should be able to give your phone number. All right. Ou do ka bay telefon ou, numero telefon ou. You're supposed to know your phone number. Alright, thank you very much for the like you give me. I don't know which one give me this like. Thank you very much, Eddie. Merci beaucoup. An pil moun deja avem la sou live video. So, what's your phone number? Okay, I know a lot of people on the way to come to America. Okay, ou kap soti Brésil, Chili. Donc, li très très important pou pranti kou anglè a. Parce que là, très très important pour, ok? You need to take this little English class with your friend Malakai, ok? Ou en montre comment, what là pour aller utiliser. Tendez, j'en me dis, what, ok? Tendez, j'en me dis, what, alright? Me dis, what, ok? What, c'est qu'on soit tendez blindil, what's your name, alright? What's your phone number? What's your address? What? Okay? Bon, c'est que nous là avec moi. Si gon bagay nou pa wè, nou kapab di nou pa wè. Okay. Maintenant, ouais, avec what? Okay? Yo di what is? What? What's your name? What's your phone number? What's your address? What's your social security number? Okay? Haiti nou pa gen non, nou pa gen social security number, non? Sa e bagay pou travay. Social Security Number. Alright? Numéro social. Ça, c'est le monde qui a vivre United States. C'est eux-mêmes qui connaissent sacré les Social Security Number. Right? So, now. Okay. Now, let me go over the second one. Ça, c'est where. Where, c'est adresse, ok, qui côté, qui bon. Where are you going? Quand vous montez sur live, vous get up rally. Where are you going? Where? You know, vous utilisez where, ok. Where are you going? Ou konnen verb to go ki vle di ale. Alright? Sa se je yon di verb to go. Ou itilize avec where. Where are you going? Ok? Nou pose yon question. Where are you going? Ok? Ou ka di l kon sa la kayou. Where are you going? Ki koto prale? Ok? Ki koto prale? Where are you going? Qui bon? Qui côté? Où? Ok? D'ab dit en français, d'ab dit où vas-tu? Où allez-vous? Where are you going? Où t'as déjà me dit son? Hein? Where are you going? Where are you going? Ok? Ou utilisez where juste pour capable poser question. Ok? Par exemple, non la réponse, d'ab dit I'm going to church. Ok, church la plus facile pour moi, c'est l'église. Vous connaissez son pasteur mieux. I'm going to church. Moi, pour aller à l'église. Alright? Moi, pour aller à l'église. Ok? L'église. Moi, pour aller à l'église. I'm going to church. Right? I'm going to church. I'm going to... To the beach. I'm going to the beach. Okay. Where are you going? Okay. Where are you going? You can have do too. Where are you from? Where are
you from? Okay, from là c'est à droite, côté sorti. Okay. Provenance, c'est qui côté sorti? Where are you from? I'm from Haiti. Qui côté sorti? Where are you from? Kikoto soti. Where are you from? Ok, on capable de répondre comme ça. Pour dire, I'm from Haiti. Peut-être, yo kawo, yo pense que c'est Jamaïcain ou bien c'est un pays en Afrique, tant que Guinée, Sénégal, Ivory Coast, yon na yo. Je dis, I'm from, ok, Haiti. I'm from Haiti. Ok, m'gonne nou tout anpil nan nou, nou gen bon tikou espanyol sou nou. Nou gen bon tikou portugais sou nou. Mete de twa ti bout anglais sou nou. Alright, so, where are you from? I'm from Haiti. Kon sa yo di Haiti, oui, nan anglais américain. Ok, yon men ki di Haiti. Pa gen problème. But, américain la prononce Haiti. Ok, where are you from? I'm from Haiti. Haiti. H la aspire, I'm from Haiti. Ok, m pense gen pil moun la kap fo aswe a la. Position, I'm from Haiti. Mwen soti Haiti, mwen se Haitien. Ou mwen, I'm Haitian. I'm Haitian. Gon diferans an Asian. Ok, gen di moun ki kon di Asian. Sou di Asian, sa ve dou soti an Azi. But you have to say, I'm Asian. Mwen se jom dil, Asian. I'm Asian. Ok, bom kou yi sou sa yo. Mwen genye, when. When se ki le? Ok, when. When se ki le? Ok, when. When do you go? Do you go to bed? When do you go to bed? When? Kile? Bien. When are you? Okay. When are you coming? When do you go to bed? When are you coming? Ou konen bed, se kaban nwi, dormi, kaban. Bed la ve di kaban nwi, le li, ok? M do se dormi. Men yo di, when do you go to bed? Aki le wal dormi? When do you go to bed? Aki le wal dormi? Ay? When are you coming? Ki le wal vini? When are you coming? My kids, they say, Daddy, when are you coming? When are you coming to Haiti? Ok, so, when are you coming? Avec when nous capable poser question, ok? I'm coming on Monday. I'm coming on Monday. Okay, let's go now with who are you? Qui est-ce? Who are you? Okay. Ou par contre moun nan et puis il campo dans la rue comme ça. You just ask him, who are you?
Who are you? Qui est-ce? Qui est-ce? Who are you? Konya, mon nom va dire I'm. Le président lui dit I'm Joseph. Alright? I'm Joseph. Moi, c'est Joseph. Ok? I'm Malachi. Alright? I'm Malachi. This is me. I'm Malachi. Alright? Who? Ok? Who? Who are you? Ok? Maintenant, avec how. Ok? How qui c'est comment? How? How? Ou ka utilise how comme une expression pour ajouter devant plusieurs l'autre mot qui capable bon sens. Par exemple, ou kan utilise how pour dire how old are you. C'est comme si tu as traduit le mot à mot, tu as dit comment. Et vieux ou yé. Comment vieux ou yé? Mais là, il dit demander l'âge. How old are you? Utilisez how pour demander l'âge. Il utilise how aussi pour demander comment. Ou qu'a dit how can I do that? Comment qu'a fait ça? How can I do that? How can I do that? Comment mon capable de faire ça? Mais vous utilisez how aussi pour demander prix. OK? Okay? Ou pour capable demander quantité. Par exemple, quand dit how much. OK? Qui c'est combien? 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 OK? How much? Combien? How much money do you have? How much money do you have? Combien corps vous gagnez? OK? Combien? How much money? Ok? Ou capable de dire tout? How many children? Children, on le dit timoun ou bien enfant. Ok? On met timoun, petite. Ok, petite. How many children do you have? Combien petite ou bien? Ok? Et quand on pose une question, on dit how many brothers and sisters do you have? How many brothers? I don't like brothers, let me say brothers and sisters. Monsieur brother, pile monsieur. How many brothers and sisters do you have? Vous entendez Jean Blandil? How many brothers and sisters do you have? OK? Ou vous côté ou ka dit how many brothers and sisters do you have? Ou bien gon l'autre mot ou kon di encore siblings. Okay, how many siblings do you have? Okay, c'est toujours même avec how. Ou ka dit how much. Okay, ou ka utiliser how encore pour dire how. How are you? Comment vous êtes? Comment allez-vous? How are you? Et c'est là ça mon appel dit I'm fine. I'm great. I'm wonderful. I'm nice. I'm okay. I'm alright. Ooh, I'm very sad. I'm hungry. Okay? Let me know how are you? Gimon, dis juste répond I'm fine. Pas seulement I'm fine. I'm overwhelmed. I'm glad. All right? I'm glad. I'm happy. I'm excited. Moi excité en pile. Moi content en pile. I'm happy. OK? Et moun ki fait monter nous avec ou là n'a montre ou et pronom yo utiliser pour capable poser question en anglais. OK? Ou yo dit how many? How much? How much money do you have? Okay? Ou vin achete un bagay et puis ou mande pri a, ou di how much is it? Ouais, très important, lo a achete un bagay, bon mete pou ka konn sa pou di. Okay? How much
How much is it? How much is it? How much is it? Combien ça coûte? How much is it? How much is it? Je vais me faire le fond de liaison. How much is it? How much is it? Combien? Combien ça coûte? Ok? Combien? How much is it? Combien ça coûte? Alright? How much is it? Non, puis l'élève là, cap suivre là. Je ne sais pas qui ça. Moi, je pas like. Je pas poser question. Je ne sais pas ce qui passe. Je ne sais pas si yo live là étrange pour yo. Yo plaisir là, yo pas partager. OK. So, nous avons maintenant why. OK? Nous avons why. Why veut dire pour qui ça? Si m'ta dit pour qui ça? M'pral le fond phrase avec pour qui ça? M'a dit why you don't share the life. Why? Why? Haïtien on l'a parlé mais utiliser mon ça. Why? I call you. Why you don't answer my call? Why? Why? They always asking why. Asking why. Alright? Et you souvent do. L'observe bon Dieu. L'observe bon Dieu. Bon Dieu mandou un bagay. Don't ask why. Pour dire pour qui ça? Pour qui ça bon Dieu ou mandé ça? Le bon Dieu te mandé Abraham. Pour ta l'offre Isaac, Abraham pas dit bon Dieu pour qui ça. He didn't ask Lord why. Right? Why? Pour qui ça? Why? Why are you late? Why? Why are you late? Vous venez de travailler là et puis on dit why are you late today? Why are you late? Vous connaissez ça late, là vous dites oui, late. Late. Late, c'est en retard. Why are you late today? En retard, ou venez en retard. Oh. Why are you late? Pour qui ça ou venez en retard? Right? Ou venez en retard. Why are you late? Why are you late? Je pose une question. Why are you coming late today? Because there was a wood block or traffic block. Wood block. There was a wood block. That's why I was running behind. I was running behind because there was a traffic block. I don't know for some countries, but here in the United States, okay, li presque pas comme ça parce que gen signal presque tout côté, tout monde a passé à temps. So, avec why, vous pouvez poser question pour qui ça? Why? Why didn't you answer my call? Why you don't call me? 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 Ou bien, n'est-ce qui j'aime Jayo, t'as dit, baby, why you don't talk to me. Talk to me. Ou rele moun nan telephone et puis il pa vle parler avec ou di chéri, pour qui ça ou pa vle parler avec? Why you don't talk to me? Why you don't talk to me? Why you don't talk to me? Pour qui ça ou pa parler avec? Tant que moun kap suivi yo la. Moi même mon petit commentaire ou pa fait même non. Assemble m'a bay vague m'a quitté quoi oui. Parce que mon yo là y a suivre mes petits commentaires même you pas fait you don't comment the video you don't share the video so why okay this is the question I'm asking you all right because today we are making a course about asking questions now I ask you a question why you don't share the life why you don't like the life. Why you don't comment the life? Why you don't share? Ok? Mdou toi la gaye la vie. Mdou, pour qui ça? Pour qui ça? Ou pas? Share. Share qui veut dire partager. Alright? Partager. Ou pas? Like. Qui veut dire
aimer, l'aimer, right? Et puis, comment, leave a comment, mais commenter, right? Pour qu'ils ne soient pas commentés. Ok? So, I want you to share, like, comment, right? And subscribe to the channel. Subscribe, because I am your teacher. Subscribe, like, and share, because this is your teacher. All right. So, okay. Thank you very much, Willie. Tout moun ki happy tonight. Happy tonight. Okay. Which c'est lequel? Par exemple, ok, par exemple, tu as dit which way, quelle direction? Ok, which way, quelle direction? Direction, endroit, qui côté la fait là? Which way, or which one? Qui est-ce là, Dario? Which one do you like? Qui sont les mains là, Dario? On est like, c'est aimer, right? Les mains. Which one do you like? Which? C'est comme ça, on pose des questions avec which. Which one? Which way? Alright? Thank you very much. Yudlin Sajus is watching. Okay, I see a lot of people here. They are watching live, but they are quiet. You quiet. You pas partager et you pas like. Okay, so m'gagne is. M'capable poser question avec is là tout. Okay. Is your father alive? Alive. Est-ce que papa en vie? Alive. On connaît comme father. Are you not father? Is your father alive? Ok, on va poser question comme ça tout. Ok? Parce que bral dit mon est-ce que papa est vivant? Bah, elle dit, where your father? Ok, when your father? And how your father? Who your father? I'm supposed to say, is your father alive? Ou bien, is your mother? Mother. Father, mother. Is your father alive? Est-ce que papa ou en vie? Est-ce que maman ou en vie? Is your mother? T'as déjà me dit mother, father. Is your father alive? Mm-hmm. So, est-ce que papa ou en vie? Okay. Are your children going to school? Yes, they are going to school. Est-ce que timounou yo ale l'école? Are your children going to school? Is your father alive? Okay. Is this your phone? Is this your phone? Est-ce que c'est téléphone ou ça? Ok? Yes, it's my phone. Yes, it's my phone. Ou bien on te ka dit tout, yes, it's mine. Yes, it's mine. Oui, c'est téléphone. Is this your phone? C'est ça que m'dou ka utilise. Is là, just pour capable et poser question. Ouais? Me pose question, me dit, is your father alive? Est-ce que papa en vie? Is your father alive? Okay. Are your children going to school? Are. Parce que ça fait me voir. Are parce que c'est pluriel. The verb to be. Alright? The verb to be qui c'est verb être. Alright? The verb to be qui c'est verb être. Troisième personne is. Okay? Ça veut dire, c'est pas fait leur poser question pour utiliser what, when, how, where. Ou bien how, why, which. Ok? Ok. Et pour poser question encore,
ou capable toujours utiliser d'où qui sera auxiliaire. L'orgue verbe to do, je veux dire faire, right? Je veux dire faire, right? You understand? L'orgue verbe to do, je veux dire faire, mais il est qu'on utilise aussi comme un auxiliaire pour capable poser question, ok? L'el do not, c'est un impératif, ok? C'est négation, do not. Do not ou bien don't, right? So, l'orgue do work à poser question. Par exemple, je suis capable de dire, do you understand? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Là, je me pose une question, right? Bon, from that, mettez question mark là-dedans. Ok? Do you understand the course? Do you understand the course? Vous comprenez quoi? Do you understand? Yeah, thank you very much, Jordani. Jordani Monixa. Do you understand the course? Do you understand? Do you understand? Est-ce que ou comprendre? Do you understand? Est-ce que ou comprendre? Ok? Comprendre, verbe comprendre. Do you understand? Ou même utiliser et verbe tout doua là comme un auxiliaire pour capable poser question. Là, il pas veut dire faire, non? Il c'est auxiliaire pour capable aider poser question. Même j'aime être capable gagner what, where, when, who, how, what. Même pas servir avec eux là, non? Parce que il a pas bien sens là. I supposed to use do, but this do here, it's not the verb, okay? It's okay. C'est un auxiliaire aider pour me capable poser question. As I said, do you understand? Est-ce que vous comprenez? Ou dis-moi tout, nous t'es capable de dire, do you have a question? Do you have? Where have là? C'est verbe avoir, oui, right? Do you have questions? Right? Do you have a question? Do you have a question? If you have a question now, you can ask your question. I'm listening or I'm watching your question. Si vous avez une question, vous pouvez poser. Ouais, c'est ça que fait le poser question. Ou juste si vous utilisez do you have a question? Quelqu'un qui dit mot ça comme have, c'est pas have lié, non? Si vous dites have, vous pouvez dire adan tout. Ok? C'est pas have lié. Si vous dites have, vous pouvez dire adan. Mais ici, tant de blancs ont prononcé le dit have. Do you have? Do you have a question? Do you have a girlfriend? Yo pose une question là. Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you sabe me? Do you have a boyfriend? Boyfriend. Ou bien girlfriend. Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? For me, I don't have a girlfriend. Okay, Udim, very clear, teacher. Very good. I don't have a boyfriend. Munki Mariel di, I'm married. I don't have a girlfriend. A girl. Utan de jam prononse mo sa. Bon ki di pou encore. Parce que gen pil moun ki prononse le man. Girl. Okay? Girl. Do you have a girlfriend? Girlfriend. All right? Thank you very much. Okay. So, m'pense que si kou a te important pou ou, ou ka fè santi sa, but for this time only Wilner Image and Jordan Monixon the only two guys who comment the video. So thank you very much. It was your friend Malakai. So before you go, right? Before you go, you're gonna do something for me. Okay, I will post the link for you. Okay, I will post a link for you so you can go directly to the link.
and you click the link and you subscribe to my channel, right? Okay, you know what you're gonna do? This video, you're gonna share this video, okay? Wap clique sur link là, okay? Clique link là, okay? Wap ou un link, wap clique sur lui, just to subscribe. Alright? Qui veut dire abonner, entendez? Subscribe veut dire abonner. Wap subscribe. Channel là, et puis wap share. La live là, ça veut dire partager. Partager, ok? Et maman, tu n'as pas non? Gen moun kap bay manti, yap di yo oui, Martin Moïse pale, men sa ki fe Jovenel Moïse mouri, but se pa sa map di la, mwen m pap kre anyen pou m bay manti, map jis ede, chèche yon fason pou m ka ede nou apren, nou konen gen pil neg la ki nan out pou vini USA, right? Mem Jean-Pierre te di, m bagen la jan, m bagen lò pou m ba ou, sa map ba ou a, nan nom Jésus, levé marché. Ok, ça m'a baoua. Nan nom Jésus, ouvri bouche ou parler pour capable défendre tête, pour capable défendre famille ou. Lors ils vont côté, on prend ou ka gen deux petits mots anglais pour mettre dans sachet. Quand on va dire assez professeur Malachi, te ban moi deux trois petits mots ça, on l'aime vini. Ok, gen question pour aller poser, comment pour répondre question. Ok, you have to subscribe, ok, share the video and like the video. Alright? Like the video many times as you can. Ok, ou reme video a. Sou reme video a. Partage video a. Ok, mou konnen gen pil zanmi m la kap suiv mwen. Mem si gen pil nan yo ki suiv en silence. Ok, thank you guys. God bless you. Remember, as I told you, how you can use what, where, when. Oh, ok. Bon Dieu béni nous toutes. Nous étions assurés à nous prier avant nous dormir. Et même vidéo ça, je suis fait là, m'a partagé live, m'a partagé sur YouTube. Ou qu'à recevoir vidéo encore, ou qu'à abonner channel là, ou capable partager avec vos amis et toujours suivre chaque fois nous prenons live, chaque fois nous online pour nous faire petit coup ça. Nous connaissons pile monde qui est vraiment vraiment intéressé avec. Bien que nous connaissons Haïtien, des fois nous presque pas intéressé avec connaissance, nous plus intéressé avec petit comique. Si c'est petit comique que vous ben nous, ok, n'apprendre. But moi même m'a dit nous ça, English son langue d'opportunité. Avec ou jeune opportunité, il faut monter avion, right? Il faut là où vont côté ou jeune travail ou qu'à comprendre bien vite, right? Bon, dis nous un petit bagay. Bam di nou ti bagay. Gou moun kalde yon travay. Poutèt li pa pale anglais. Yo pa pren nan travay la. Ki anglais, pa an pil anglais, pa an pil an pil an pil an pil anglais, non? On ti anglais tout petit, jis pou l ka konprann kek ti bagay, retire sa, clean sa, ou konprann, men a ki le pou vin travay, ou konprann, men ki sa pou fè, men sa pou make, men sa pou retire, men sa pou mete. Li pa pale. Li pa jwenn travay la. Right? Se sa fè, guys, I'm encouraging you. I'm encouraging you just to understand the necessity, okay? Ou dwe comprenn sa m'ap di la la paske mwen menm personnellement se yon nan bagay ki ede m an pil, okay? Papa m te fè efòt depi m piti li te payon déporté pour être capable apprendre moins juste me continuer à l'école classique à l'université aussi même senti m'ta pion ingrat si m'pa ta enseigner anglais a m'ta senti mon ingrat si m'pa ta enseigner anglais a c'est ça que fait m'a penser live même le monde pas comprendre moins grand monde et qui te ouais m'a fait live anglais sur YouTube sur Facebook li mandé l'évangile là li mande l'évangile là c'est comme si l'évangile là son bagay c'est moun tête maré qui ka fèl c'est pas moun ki connaissance ka fèl lò l'évangile ou pa ka fon enseignement pa ka enseigner nan faculté ou pa ka enseigner en langue ça veut dire si moun nan dou l'évangile là ça veut dire l'anglais pas important et tandis que gen koto rive yo pa mande pou l'évangile là non parce que l'évangile là ou pote gen koto rive l'évangile là an dan cœur ou pote l'évangile là gen koto rive yo pa mande pou l'évangile là gen koto rive yo mande pou sak nan boîte tout right
yo mande pou sak nan boîte lettre ou pa ka alon kote avec un CV pou di mwen se pasteur. Right? Pa gon kote non ka alon CV. Mwen fè eksperyans sa men mwen, pa gon kote ou ka alon CV pou di mwen se pasteur et puis pou yo et bon travail parce que c'est pasteur ou bien ou vin avec un CV ou dit I am a worshipper, I'm worship the God Almighty. I worship Jesus Christ. Yo pa bon on travail pour ça non? Mais son bagage pour apprendre son mécanique, on prend son plomberie pour apprendre et puis pendant pas apprendre plomberie, ou tout temps des teachers malakai k'ap bo live sur YouTube, sur Facebook et puis ap tout coller pour qu'on ait dans mécanique là. Mais qui m'ont besoin dans plomberie, mais qui m'ont besoin. On prend pour me capable connait en anglais parce que bon du bien pays d'Haïti. Bon du petit bail pays d'Haïti là mettre là. Il pas gain pièce à venir non? C'est ça qui fait tout ton ka métier espagnol ou sou ka mete ti anglais ou pour apprendre parce que ou espérer al visiter l'autre pays bon même l'autre a rien comme ou t'arrête dans pays a on les faut aller visiter Bahamas faut aller visiter et United States right pas seulement rester dans ti comique garder ti comique les ouvrir ti comique intéressé l'heure m'a fait live là toujours rester là avec et puis partager pour plus monde capable wel m'pense bon tant qu'à privé Port-au-Prince à wel tout monde dans tout pays à wel tout monde et tout haïtien et tout jeune haïtien qui t'a aimé faire progrès dans langue leur vont côté OK ou capable sujet mon ka dit mais qui cou ou veut attendre right ou capable dit mais thank you very much m'pa connait qu'est-ce qui dit thank you bro mais thank you very much aussi leur vont côté il fut un temps mon yo t'ai toujours fait mon yo comprendre depuis dans l'évangile c'est seulement dans l'évangile là pour cap ça fait des questions du comment l'évangile là est côté l'évangile là ça pas empêcher que me toujours pasteur ça pas empêcher que me toujours prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ ouais me ca toujours prêcher la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ même capable gon connaissance en plus et puis moi partager connaissance ça avec monde qui besoin surtout ou pas avec quantité monde besoin qui là sur live là 4 grain monde 5 grain monde parce que c'est eux besoin. Right, mais moun ki bezwen nan tou ou ta wap wèl vin la dan, même si m te fè la minuit, m te fè la 2h. Par exemple, pou gen moun ka nan veille de nuit, il fait tout minuit, il fait 1h du matin, 2h du matin, nan veille de nuit parce qu'il senti veille de nuit a bon pou li. Et mais c'est même gens tout nèg qui pral nan bac là, qui pral nan reto, qui pral nan philo, qui pral aller nan université a, la bat bet li parce qu'il connaît des MSTV, li pral avocat, li pral médecin, li pral on bagay quelconque, la fait sacrifice. Right? Ça veut dire ça m'a fait là son sacrifice m'a fait non seulement tout pendant m'a fait sacrifice là tout li gon l'autre bagarre là dedans tout oui ou connaît bien ça rien là dedans right parce que si en pile moun wè vidéo a en pile moun partager vidéo a moi même tout connaît m'ka même là ou même pas ka payer ou pas payer m koto ya right okay guys thank you very much m'bral dormi songe partager live là et puis cliquer sous link là. Okay, Gabison, God bless you. Gabison is the one of the sharer. Is the one who shared the live video. I hope we meet soon or we talk soon, Gabison. Okay, we will keep in touch. All right, we will keep in touch. Ça veut dire n'a pas été connecté. Okay, so what I have, I can share it with you. All right, you can help me share the video. So you can also go to YouTube. You just search for Tebo Malachi. All right, you search for my name, Tebo Malachi, your friend. And then you're good to go. All right. God bless you. I pray over you. God bless you. God bless your family. All right. God bless your country. God bless Haiti. God bless the world. All right. It was your friend, Malachi. Have a good night. Thank you.